Il marchait sur les deux pieds. Il marchait à quatre pattes. Et il grognait et il mangeait avec sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il avait été élevé par des loups. Vous avez dit ça? Oui. Parce qu'il avait été élevé par des loups. Est-ce que vous avez déjà essayé, les amis, de faire un chien dire papa ou maman? Non. Et pourquoi vous riez? Vous êtes ridicule parfois, hein? Ah, mais c'est sérieux, on est à l'aise quand même, hein? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Essayez, essayez. Qui a des chiens là à la maison? Le bien. Essayez, ce soir, commencez à apprendre. Qui a déjà essayé? Vous avez essayé? Il a réussi? C'est du même, c'est du même. J'imagine. Allez, dis maman. Allez, maman. Non, il y a une humaine qui a au moins essayé d'apprendre son chien à dire maman. Le chien ne pourra jamais dire maman, les amis. Dis papa. Le chien, ou le chat, ou le serpent, je sais pas, ne pourra jamais manger avec une fourchette. Parce qu'il n'est pas créé comme ça. L'être humain est le seul animal de l'ontologie du terme à pouvoir devenir ce qu'il n'est pas. Le chien, à un moment, même si tu ne lui apprends pas, il va dire trois fois. Non, c'est vrai que le chien, vous n'avez jamais. C'est un chien ou un chat? Un chat? Un caniche? D'accord, je vais dire quoi? Un croisé? Un chien qui a mélangé chihuahua, quoi? Un caniche? Tu vas même regarder Waf Waf. Tu vas être Waf Waf aujourd'hui. Hein? Non. Tu as trop insisté, tu as trop insisté. Tu m'as arrêté un moment. Bref, on rigole, on rigole. Je suis très sérieux, les amis. On rigole, mais l'obéi est déjà en route, vous avez bien compris. Le chien, tu vas beau essayer de lui dire, de lui faire dire, maman, il dira toujours, il dira toujours. Il dira toujours waf waf. Parce qu'il est créé comme ça, et le chien, biologiquement, il ne peut pas être autre chose qu'un chien. L'être humain, je dis toujours heureusement, j'avais dit malheureusement, mais non, heureusement, il peut devenir autre chose que ce pourquoi il a été créé, parce que ça montre justement notre profonde liberté par rapport au règne animal. Le petit homme là, qui est devenu oublié dans les histoires, mais il est devenu autre chose, pas qu'un être humain, évidemment, parce qu'il est toujours resté un être humain, mais il est devenu autre chose, un truc qui brille, un être humain qui marche à quatre pattes, qui grogne et qui mange avec sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé par des animaux sauvages. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Eh bien, parce que quand on parle de préliminaire, le pape François nous y invite pendant l'avant. Si on fait bien attention, beaucoup de choses de notre vie au quotidien nous font devenir des mourir. Nous voulons devenir des oubliés. Qui aime Jésus? Levez la main. Qui aime Jésus? Waouh, c'est beau ça. Laissez. Qui aime ses parents? Levez la main. C'est beau ça. Tu aimes ta maman, toi? Je n'aime. Tu aimes ta maman? Oui, toi, tu t'as pas les yeux. Non, toi? Oui, toi. Tu aimes ta maman? C'est qui ta maman? Elle est là? Tu aimes ta maman? Ton papa aussi? Tu le rends que tu les aimes? D'accord. Quand on aime quelqu'un, on lui montre. Non? Non? L'avant, c'est ce temps que l'Église nous offre pour faire pause. On va lever le pied et on va vérifier si ce qu'on dit, aimer Jésus, est en accord avec ce qu'on fait. Si tu dis, j'aime ma copine ou mon copain, et que tu passes ton temps à mater d'autres hommes ou d'autres femmes, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu oublies? Vous comprenez comment aussi? Je ne sais pas, mais je pose la question. Encore chez les hommes. L'argent. On apprend en s'amusant. Il ne faut pas oublier l'essentiel, évidemment. À cause de toi, hein, ma soeur. L'argent est là pour nous aider à faire pause. Tu dis que tu aimes Jésus, et évidemment c'est une question que je me pose, donc le prêtre, évidemment, vous avez bien compris, tu dis que tu aimes Jésus. Est-ce que tu es sûr que les choix que tu fais dans ta vie montrent que tu aimes Jésus? La première lecture est Isaïe,
Nous entendons, Seigneur, si tu déchirais les cieux et descendais, tu allais mettre à bas toutes nos montagnes, nos ennemis. Les montagnes dans la vie, dans le monde biblique, alors il y a la montagne, c'est là où on va monter pour rencontrer Dieu. Et puis les montagnes, ce sont les obstacles qui nous empêchent de voir Jésus. Et Isaïe nous dit, mais Seigneur, mais si tu déchirais les yeux et descendais, en gros, on aurait été délivré. On aurait été libéré de nos montagnes, tout ça. On aurait vu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Mais il y a des montagnes dans ma vie, des obstacles, mon péché, les épreuves, la maladie, le découragement, qui me découragent justement. Et Isaïe, dans son texte, crie. Seigneur, si tu pouvais déchirer les cieux. Et puis quelques versets après, il dit, Seigneur, tu as déchiré les cieux. Noël, ce n'est pas Noël, hein. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous avez 4 semaines pour ne plus aller dans ce quartier inutile. S'il vous plaît, bon, écoutez, s'il vous plaît, je vous consulte ces cantiques-là. S'il vous plaît. Bon, écoutez, les cantiques actem, les cantiques wine, les cantiques brown, les cantiques machin. On chante quoi dans Jésus? On chante pas dans l'apologie de l'alcool ou bien du sexe. On chante justement parce qu'on est content, on attend le Christ comme l'amoureux. Quand il est content, ben, il va voir son amoureuse. Il commence à répéter son arpège sous sa guitare. Parce qu'il sait qu'il y a en bas du balcon et il chante un gris, 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 gris. Oh, l'amoureuse. Style là-bas, il sait ça. Style son beau romantique là-bas. C'est pas vrai? Mais oui, c'est vrai, son beau romantique. Non, on va le faire. Tu attends les coups en chantant des chants dignes de l'église. Noël aujourd'hui en Martinique, c'est devenu tout sauf une attente de Jésus. Boycottez, vraiment, non, je vous le dis, vraiment. Ces soirées-là, si vous aimez Jésus. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe durant l'avant? Isaïe nous dit, Seigneur, si tu pouvais déchirer les cieux, descendre, et puis quelques versets après, il nous dit, Seigneur, tu as déchiré les cieux. Seigneur, oui, non, c'est bien, oui, c'est bien, tu as raison, c'est bien. Tu as déchiré les cieux. Ça veut dire que tu es venu. Tu as répondu à mon appel. Oui, parce que Noël, ce n'est pas le petit Jésus, le papa Noël. Tout ça, non. Noël, c'est le mystère de Dieu qui s'est fait homme. Pourquoi Dieu s'est fait homme d'après vous, mes amis? Eh bien, parce qu'en fait, Dieu, comme il voulait se faire connaître, il est visible, Dieu, son esprit. Comme il voulait se faire connaître de l'humanité, se faire toucher, eh bien, on lui a envoyé la deuxième personne de la Trinité, le Verbe. Si le Verbe s'est révélé comme étant le Fils, alors il faut aller plus loin que nos catégories, évidemment, humaines. Le Fils, le Papa, ça peut paraître bizarre, comment ça, Jésus, c'est le Fils, mais là, moi, c'est Marie, Dieu a fait le carré, ça, Marie, enfin. Oui, parce que les musulmans disent ça, en fait. Hein. Les musulmans disent, mais comment tu dis que Marie, c'est la mère de Jésus, la mère de Dieu, ça veut dire que Dieu le Père a accouché Marie, n'importe quoi. Les musulmans ont bien compris la finité, en fait. Ils ont bien compris le bug, mais parce qu'ils sont restés en fait au niveau humain. Ce sont des catégories humaines. Si Jésus s'est révélé comme étant le Fils, c'est pour nous introduire nous-mêmes dans une relation de Fils avec Dieu. Pour nous montrer en fait que Dieu, ce n'est pas un architecte. Dieu, ce n'est pas un Dieu tout puissant, loin de l'humanité, ou bien un Dieu de moi. Non, non, Dieu c'est un papa. Dieu c'est un papa. Et Jésus, eh bien, pour nous aider à ne pas projeter nos limites humaines sur la divinité qu'on ne voit pas, il s'est rendu présent pour nous apprendre non seulement nous à être des fils et des filles, mais aussi pour nous apprendre le vrai visage du Père. Jean, chapitre 16, à Philippe qui demandait, mais Seigneur, mais fais-nous voir le Père. Jésus m'a dit, mais Philippe, et qui me voit, voit le Père. Comprenez?
Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Jésus est Dieu. Donc tu vois le Père. Mais quand tu vois Jésus aussi, tu vois ce que toi, tu dois être face à Dieu. Un enfant. Pas un esclave. Pas un serviteur. Non, non. Un enfant. Et la voix est là, frères et sœurs, pour nous aider à faire pause sur notre vie de tous les jours, pour nous préparer à célébrer cette grande fête de Noël, pour ne pas passer à côté. Jésus dans l'évangile nous dit, il nous donne une parabole, un conte qu'il a inventé, veillez, veille, veille, veille. Le maître de la maison, il part. En voyage, il va, je sais pas où, au Qatar. Il va au Qatar. Et il te laisse tout pouvoir sur sa maison. Dieu part et il te laisse tout pouvoir sur sa maison. La maison de Dieu, c'est l'humanité. Il nous laisse à nous, les êtres humains, tout pouvoir. On peut tout faire, on peut tout faire. Sauf que, soit tu fais tout pour nourrir ton ventre insatiable. Et donc tu domines et tu écrases l'humanité. Ou soit tu fais tout pour honorer une humanité qui ne t'appartient pas, mais qui t'a été confiée par Dieu. Amen. Donc Dieu part, dans la parabole de Jésus, il te laisse tout pouvoir. Comme les parents, vous saviez ou pas, c'est ta fille, ma soeur. Tu sais que tu as le pouvoir de vie ou de mort sur ta fille. Tu savais ça? Si tu veux, tu peux la tuer, tu sens. Non mais, c'est vrai. Tu sais ça ou pas? Quand vous avez des bébés, vous savez que vous pouvez tuer vos bébés ou pas? Vous avez le pouvoir de vie ou de mort en même temps sur les bébés. Et pourtant, vous ne le tuez pas. Pourquoi? Parce que vous les aimez. On a le pouvoir absolu des êtres humains. Et Dieu a pris le risque de nous laisser avec ce pouvoir absolu. Tu peux tout faire, tout. La seule chose qui va calibrer tes actions, c'est l'amour. L'amour qui fait que tu ne dis pas ton offre en marché. L'amour. Durant ce temps de l'avant, nous allons vérifier, vous et moi, frères et sœurs, quelle place on donne à Jésus dans notre vie. Il faudrait qu'on se réveille chaque jour en se disant, et si aujourd'hui je mourrais? Le chrétien doit toujours se poser la question. Isaïe, donc vous l'avez entendu, tout le monde se réveille sans prier Dieu. Tout le monde vit sans faire appel à Dieu. Combien d'entre nous prions quand nous nous réveillons le matin? Combien d'entre nous prions avant de manger? Combien d'entre nous prions avant de nous endormir? Vous voyez? Vous connaissez les ninjas ou pas? Les chrétiens ninjas. Quand on est au restaurant, je vais dire ça parce que c'est tellement bien. Quand on est au restaurant, tu as tout compris, Cara. On est au restaurant, on veut bien de nos repas. Comme il y a des pommes qui nous regardent. Mon le Les ninjas. On a peur de nous faire genre qu'on les garde les coups. Pourquoi j'écoute les pommes qui se font? Pourquoi j'écoute les pommes? Écoutez-moi. Isaïe nous dit, mais Seigneur, mais plus personne ne te prie, plus personne ne te dit merci. En gros, on vit comme des païens. Le païen, c'est pas qu'il veut les mauvais esprits, non, non. Le païen, d'abord, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On vit comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu nous a tout donné, les amis. Vous là, devant moi là, Dieu nous a tout donné. Et on passe notre vie à vivre comme si on n'avait rien. Vous vous souvenez récemment, on parlait du royaume de Dieu, SDF, tout ça. On a tout, l'héritage. Mais on fait comme des malheureux qui n'ont rien. Et puis, tout le monde mentionné, un petit peu d'avoir des gens. Tu as tout. Dieu veut que toi, mon frère, ma soeur, tu sois heureux et. Mon frère, ma soeur, heureux et heureuse. Dieu veut que tu vives ça. Je développe un concept, malgré moi, je n'ai pris une chose, qui s'appelle le concept de l'oreille pincée. Vous voulez savoir ce concept? Vous voulez pas? Le concept de l'oreille pincée. J'étais très silencieux quand j'étais à l'école, de la maternelle au BTS.
quand on a la Bible. J'étais au collège, et il y a mon prof de techno qui, un jour, je parlais des copains, et il dit, « Mais tu l'aurais dit, il y a des messieurs qui sont en fait, monsieur. Mais la petite m'a reçu, monsieur. Mais monsieur, nous allons faire là. Mais est-ce que tu l'aurais, monsieur, mon grand, vous voyez ?» Et le prof me dit, « Mais, moi, je vous envoie, monsieur. Tu as vu, moi, tu nous envoies, moi, nous envoies. Mais c'est pas le même argent, on va aller chercher ça. » Et le prof me dit, « Monsieur, tiens, mais moi, tiens, c'est mon gars, la tête. » Non, ils sont en vrai, j'ai un collège. Il m'a dit, tiens, mais moi, tiens, mes oreilles, donc j'ai juste tenu des oreilles, c'est toi qui as tiré ta tête. Et donc, du coup, c'est toi qui te fais mal. Et il m'a fait le geste. Et je me suis rendu compte, effectivement, il m'a juste tenu les oreilles. Et puis, quand j'ai tiré la tête, eh bien, j'ai eu mal. Le second de l'oreille coincée, vous voulez savoir ce que c'est? Dans nos vies, les amis, on se fait tout le temps. J'ai mal, je souffre, ma chair, le gars m'a lâché, la fille m'a lâché, ma chair, il s'arrête. Et pendant le temps de l'avant, Jésus te dit, mon frère, ma soeur, arrête de tirer ta tête et tu verras que tout va bien. Arrête d'avoir peur de moi, arrête de vouloir t'éloigner de moi et tu verras que. Et tu verras que tout va bien. Tu verras que tout va bien. Être heureux, vous savez, c'est pas compliqué, les amis. Être heureux, c'est pas compliqué. Non, mais vraiment. Mais tu me permets, pourquoi Dieu, il a permis ça? Une fois, une jeune fille vient à mon bureau, si elle est là, pardon. Elle m'a dit, mais père, mais je ne vois pas pourquoi tu as permis ça, elle était enceinte à 17 ou 18 ans, je ne sais pas pourquoi tu as permis ça, mais bon, comme il a permis, donc je lui ai permis. Mais c'est pas lui qui a ouvert les jambes, ma soeur. Comment ça permis? Qu'est-ce qu'il a permis? Il a ouvert Dieu. Tu peux regarder les affaires. Il a me permis Dieu. Aujourd'hui, ce que Dieu fait, c'est qu'il vient t'aider à ne pas te décourager, à assumer ses enfants, mais tu m'as rien. Le bon sang, ou bien si vous avez la famille qui meurt de cancer, d'accident, tout ça, on a tué un petit jeune ce matin, vous savez, à Château d'œuf là. C'est pas Dieu qui a permis ça. Il y a un couillon qui a tiré des coups de fusil sur moi, et puis il est mort, c'est tout. C'est la vie, quoi. Il y a des couillons, mais les jeunes sont pas couillons. C'est tout. Là où Dieu intervient, c'est que quand tu souffres, Dieu vient, il pleure avec toi. Amen. C'est bien. Non, c'est bien, tu as raison. Oui. Et donc, être heureux, ce n'est pas compliqué. S'il y a des gens qui ne t'acceptent pas tel que tu es, mon frère, ma soeur, qui veulent que tu changes, qui veulent que tu aies une attitude, une tenue vestimentaire, machin, tout ça, et ça ne te correspond pas, eh bien, laisse ces gens-là tomber. C'est tellement simple. Le pape dit, qu'il n'y a que la foi qui transforme la fin de vie sur terre en préliminaire pour la vie éternelle. Tout ce que tu as à viser, c'est pas la terre, non, c'est le ciel. Quand tu es là, aujourd'hui, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est parce qu'avant de partir de chez vous, vous saviez que vous deviez venir à chercher, non? Sinon, vous seriez encore sur le bout de votre nez à griffer. C'est parce que vous saviez où vous alliez que le chemin, non? Donc avant de commencer à avancer dans ta vie, il faut d'abord savoir où tu vas. Ne cherche pas un bonheur sur terre. Non. Cherche à capitaliser pour être en communion avec Jésus et tu verras que tout ça, ça va te permettre de faire des choix pour être heureux sur terre. Vous comprenez ou pas? Je vous ai raconté la dernière fois, les filles qui disaient, oui, mais comment on fait pour éduquer les garçons? C'est pas compliqué de rester vierge avant le mariage, vous savez ça? Il suffit juste de dire à ton copain, je ne veux pas coucher avec toi avant le mariage. Si le copain dit, ah ouais, mais vous avez marché, il ne les arrête pas aussi au cul. Next. C'est pas compliqué de ne pas avoir d'ennemis. La personne ne t'aime pas, ne te justifie pas. Next. C'est pas compliqué de se faire respecter. Tu ne t'aimes pas tel que je suis? Vous avez tout compris?
savez, les chrétiens souffrent souvent parce qu'on se moque d'eux. Vous savez ça? Les chrétiens souffrent souvent parce qu'on se moque d'eux. Si on te traite de chrétien, toi, tu vas la personne du moche. Tu dis, comment tu as pas fait ça? T'as assez de gros professeurs. Il y a une jeune de la MSR, on parle à du bâtiment. Elle m'a dit, frère, heureusement, je ne pense pas ça, mais j'ai des copines qui me disent que ça fait ça travailler plus et le fessier. Mais je n'ai pas nous là, elle t'a même tissu, du fessier. Elle va se bon. Elle va se bon. Tu veux faire du bâtiment du frère pour travailler tes cuisses et tes fessiers? Mais va faire du sport, bon sang. Arrête de voir, il est dans le gars au son. Si tu veux être costaud, va faire du sport. Au lieu de bouger ta femme dans le jeu. C'est pas difficile de te faire respecter. Si tu comprends que tu dois changer toi pour être aimé par d'autres, par ton copain, ta copine, un groupe d'amis, ça veut dire que les autres ne te méritent pas. Les amis, nous rentrons dans un temps essentiel pour notre vie, le temps de la fin. Est-ce que j'attends Jésus? L'avant, c'est ça, Adventus. Veillez. Je te dis, veillez, veille. Et si ce soir, tu meurs, si on sort comme une église là, tu meurs. Tu te fais taper par la voiture du prêtre, pouf, tu meurs. Non, c'est possible. Bon, la voiture du vivant. Tu conduis vivant? Ils vont conduire, sans plus. Ils vont conduire, hein. Tu te fais taper par la voiture du prêtre, pouf, tu meurs. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Partir et puis que les gens se disent, je vais le détruire. Ou bien que les gens ne veulent pas disparaître. Vous voyez? Réveillons-nous chaque jour, les amis, en nous posant la question, mais et si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais aimé? Il y en a qui me diront, mais bien, ben, moi, j'aurais aimé mieux bien avoir fait le maximum de choses de ma vie, avoir brûlé ma mèche. Non, mais si tu fais ça, tu risques d'aller en enfer. Donc, mauvaise réponse. Ah, par contre, si je mourais aujourd'hui, j'aurais aimé. Qu'est-ce que vous auriez aimé, Étienne? Quoi? Manquer aux gens? Tu aurais manqué aux gens? Oui? Si tu manques aux gens, c'est que les gens t'aimaient et t'appréciaient. Si on mourait aujourd'hui, on aurait aimé quoi, les amis? Manger dans cette place. Aller au ciel. Se confesser. Hein? Une grosse confession, hein? Une grosse confession. Je n'ai pas une grosse confession. Pas ce soir. Hein. Quand les gens meurent, souvent on se dit, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire, je n'ai pas pu lui dire que je t'ai mis. Non, ça ne peut jamais arriver. Plaisirement, je n'ai pas pu lui dire que je l'ai aimé. Ou elle. Je n'ai pas pu lui dire que je lui avais pardonné. Je n'ai pas pu lui demander pardon. Il est mort. Eh bien, si moi je meurs ce soir, vous là, c'est joli. J'aurais aimé dire à mon papa, ma maman, ma soeur, mon frère, mon ami, mon voisin, je t'aime, je te pardonne. On s'est embrouillé pour telle chose, mais en fait c'est nul, c'est nul. C'est nul. Je te pardonne. Ou bien je te demande pardon. Réveillons-nous à partir d'aujourd'hui. En situation de déplorable. Et si je mourrais aujourd'hui? Alors je vis chaque jour comme le dernier. Parapapa. C'est là, mais... Il y avait une raison pour lui. Et si je vivais chaque jour comme le dernier, la vie a été obituée. Obituel, pour ceux qui sont les assimilés parmi nous, obituel, ça veut dire super top. Si je vis de chaque jour comme le dernier, la vie serait comme ça. Laissons Jésus nous montrer, les amis, le syndrome de l'oreille percée. N'aie pas peur de Jésus. N'aie pas peur de faire des choix. N'aie pas peur de choisir Jésus maintenant. N'aie pas peur de dire à ton copain, définitivement, on n'aura plus de rapport sexuel. Trop souvent, les amis, on vend nos ambitions
à d'autres qui nivellent le truc vers le bas. Si l'autre ne comprend pas tes hautes ambitions, c'est qu'il n'en vaut pas la peine. Ne t'engage pas plus que ça avec lui ou avec elle. N'aie pas peur d'avoir un gros poids carabiné. Vaut mieux l'avoir au début que 2 ans après. Et puis tu prends médicaments sur médicaments pour te dépopaliser. C'est dépopaliser, en fait, aussi. Mais comment ça se capte? Les chrétiens doivent donner la direction à ce monde, les amis. Et je m'arrête là. Les chrétiens doivent donner la direction à ce monde, les amis. Vous n'avez pas compris que le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. C'est à vous là. À vous tous là, ici présents. À moi aussi. Moi je peux en retraite, je prête. Mais à vous qui êtes dans le monde. C'est à vous de changer la donne. Les filles, à ne plus vous habiller comme on vous dit vous habiller, à ne plus bouger comme on vous dit de bouger. Vous les gars, à ne plus regarder les filles comme on vous a appris à les regarder comme des mots de viande, comme souvent elles-mêmes jouent le jeu aussi. C'est à vous les chrétiens de donner une nouvelle direction au monde. Je vous ai dit, je veux changer le monde. Moi, je veux changer le monde, je veux. C'est pour ça que je vous dis. Ma seule chose de vous, c'est de changer la mentalité. Et je sais que c'est possible avec vous. Amen. Mais tant que vous, vous avez compris que pour changer la mentalité, il ne faut pas grand chose. Il faut que moi je change. Et que j'impose mon style. Amen. C'est bien. Non, garde ça bien précisément. Amen. Et puis là, amen. Et pour une rotation. Amen. Amen. Voilà. Amen. L'avant. Entrons dans cette attente. De Jésus. Et si ce soir je mourrais, est-ce que j'aurais été content de me tenir devant Jésus? Ou bien est-ce que j'aurais couru parce que j'aurais eu honte comme Adam et Ève? Et si je mourrais ce soir? Ne va pas te tuer quand même. Hein? Et si je mourrais ce soir? Si ma vie se terminait, est-ce que j'aurais été satisfait? Est-ce que j'aurais atteint mes rêves? Ou bien est-ce que je me serais laissé endormir? Par Nababa ou Nababa qui m'ont empêché de vivre mes rêves. Nababa, il a passé souvent à la côté de la montagne. Vis tes rêves. Au lieu de rêver ta vie. Vis tes rêves au lieu de. Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Vis tes rêves. Et tout ce qui t'empêche de vivre tes rêves, mets-le de côté. Parce que tes rêves vers Dieu. Amen. Allons faire des choix clairs, parce qu'il y a des choix qui nous éloignent du bonheur de Dieu. Alors les amis, que le Seigneur nous bénisse. Et qu'en se donnant l'avant, il nous garde. Ciel, vise le ciel. N'aie pas peur des épreuves, des combats de la vie. Si tu vises au-delà, tout ce que tu vas voir dans ta vie ne sera que secondaire. Amen. Dieu nous donne rarement ce que nous voulons. Vous savez ça? Vous savez ça? Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Très rarement ce que nous voulons. Tu t'appelles comment je veux dire? Oui. Bon. Ambre. Si Ambre passe son temps à demander du McDonald's à sa maman, elle veut. Vous imaginez bien que sa maman, si elle aime, va lui dire non, on va manger la chine qui lève et de maman oui. Ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que Dieu va te le donner. Si Dieu sait que ce que tu veux n'est pas bon pour toi, il ne va jamais te le donner. Amen. C'est comme ça dans notre vie, parfois, nous passons notre temps à demander des villas à Dieu et il nous donne des cabanes. Et pour nous, mais c'est bien, mais c'est bien, on ne va lâcher. Mais non, mais si bon, je parle, ça veut dire ça. Oh, oui, c'est vrai. Amen. Mes enfants, il s'agit du Dieu de l'humanité. Arrête de demander ce que tu veux et commence à demander ce dont tu as besoin. Et comme toi-même tu sais pas ce que tu as besoin, alors tu resteras disponible au Saint-Esprit qui va te donner ce dont tu as besoin, même si tu ne le demandes pas. Parce que tu t'aimes. C'est une histoire d'amour qui a la clé. Alors que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, qui nous confie visiblement
sur ce chemin de bonheur et qui nous donne le courage de toujours faire les bons choix pour nous élever en humanité au lieu de nous laisser diminuer en animalité. Que le Seigneur nous rende témoin de son amour pour l'humanité, pour les hommes, pour chacun d'entre nous. Et qu'il nous rende ces témoins audacieux, ces témoins authentiques. J'aime Jésus, je sais qu'il m'aime, je suis pécheur, mais je sais que l'amour et le bonheur est toujours disponible pour moi, alors il est aussi pour toi. Amen. Que le Seigneur nous envoie en mission. Nous sommes les bons. Amen.